Bonjour à tous les frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le boss rush numéro 7. Les abonnés m'ont proposé d'utiliser la team boss de film. Et donc voilà, je vous aligne ma team préférée. Et je vais essayer de le faire sans item. Malheureusement, à un moment, on va affronter Goku Ultra Instinct. Et il y aura une phase où il est en mode Genkidama, il te one shot. Donc il faut quand même que je ramène l'item Baba pour bloquer l'aspect. On va essayer quand même de le faire sans. S'il nous laisse partir avant, enfin, s'il nous laisse attaquer avant qu'il attaque, il y a peut-être moyen de moyenner, hein, surtout avec le Broly Ikari qui pourrait nous carry à ce moment-là. Donc c'est parti, les amis, comme d'habitude, hein, lorsque vous verrez cette petite VOD, vous pouvez soutenir la chaîne en mettant un petit pouce bleu de soutien. Et puis, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube 194 126. On s'approche progressivement, les amis, des 200 000. Je compte sur vous. Et puis, vous pouvez soutenir la chaîne en regardant une petite page YouTube. Le lien se trouve dans la description. Voilà, vous pouvez regarder une petite pub de 30 secondes, à chaque fois ça apporte 5 centimes, et ça fait plaisir pour financer les prochains craquages, je compte sur vous les amis, voilà, donc c'est parti. Niveau rotation, Broly et Broly, Ibirus, voilà, simple et efficace. Malheureusement c'est le bordel, les deux Ibirus sont éloignés, les deux Broly aussi, du coup on a le seum, du coup on va faire ça. Le seum commence déjà très fort. On n'a pas ramené d'item de soins parce qu'on est fou, nous, on n'a peut-être pas dû. Broly, Kari, 1 600 000 sans son frérot Broly. Mais bon, on a en plus le boost de Talessou. Il n'a aucun stack, bim. 1 million. Ok, d'accord, il a dit non, le combat je le fais tout seul. D'ailleurs, c'est marrant, dans le film, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il, à lui tout seul, il gère Broly et Goku. Voilà. C'est incroyable. Sacré Brolix. Sacré Brolix Ikari ZTUR 100%. 100% beau gosse. En fait, j'ai fait de la merde. J'aurais dû séparer les deux. J'ai complètement zappé. Du coup, je fais quoi là? Je fais quoi? Je vais dégager Beerus. Allez. Dégageons Beerus. Quand même incroyable. Incroyable. Incroyable ce move complètement. Là c'est qui le prochain? Ah, je devrais peut-être garder le Dokkan mode pour le Goku Genki Genki. Ah, faut que j'arrête de prendre des kits de ma couleur là. T'as les 100%. 100% beau gosse, allez bim. Le stun est passé. Et Beerus qui va le finir. 2 millions sans son frérot Beerus. Mais c'est quoi cette team de fifou? C'est quoi cette team de fifou? Ah non. Oh, je suis tenté de prendre ça. Bon, ça suffirait pas. Donc, on esquive les kinos de couleur, hein, on a dit. Hein. On esquive comme jamais. Allez, hop. Pour l'instant, j'ai dû perdre à peu près moins de 100 PV. 1 million 200 000, 200 000, enfin quasiment 2 millions. Beerus et Whiselair. Ikari qui monte à 1 million 7. Pour l'instant, j'aurais dû peut-être laisser Ikari tanker, comme ça augmente les stacks. Pour l'instant, j'ai toujours pas augmenté mes stacks. Hein. Qu'est-ce que je branle depuis tout à l'heure? En même temps, mes rotations ne sont pas prêtes. Vous allez voir comment il tank. 26 000, ridicule. Oh là là, tu m'as énervé. Oh là là, tu m'as énervé là, c'est bon. Je fais péter la chemise. Sors les pectoraux. Ouais, c'est bon, tu m'as vénère là. Tu m'as vénère de ouf. En même temps, j'aurais même pas le temps d'attaquer, je crois. Ah non, j'aurais dû laisser Broly partir en tanker. 18, 72, ridicule! Allez, au revoir! Bim! Non, mais j'aurais dû commencer à mettre en place mes rotations, j'ai pas pensé, les gars. Ah oui, le farm du truc de Gigi, putain, depuis tout à l'heure j'ai laissé, pardon. Excusez-moi. Voilà, c'était un petit rappel.
Bon, on va laisser Beerus. Beerus LR. Bon, exceptionnellement, je prends l'équipe de ma couleur là. On est full life grâce au passif de Beerus. Son passif gourmette. Enfin, son lien, pardon, son lien. Ah, la petite attaque spé qui peut faire un peu mal. On va récupérer 12% de nos PV avec l'attaque spé. 2 200 000. Bon, on n'est pas parti en spé ultime. La team n'est pas encore prête. Les rotations ne sont pas prêtes. Il n'y a pas de support là. Là, avec le support, on aurait pu partir en spé ultime. C'est dommage. Le portail des 4 ans, les amis, c'est demain, César. Ouf, oh la million. 1 million en crit. Bon, il arrive. Là, pour l'instant, t'es pas vraiment rentabilisé. Hein. J'ai fait un peu n'importe quoi, je suis désolé. Fortement désolé, frérot. Voilà, normalement, prochaine rotation. Nous sommes enfin parés au combat, les amis. Est-ce qu'on n'aurait pas prochainement... Là, c'est la dernière phase. Donc, on va commencer à remplir tranquillement notre jauge d'Okan. Comme ça, le Genki pouce bleu, là. Enfin, le Genki, Genki Dama, on peut peut-être le one-shot. Oh là. Cette attaque SP, comment elle est vénère, quoi. Comment il est vénère, Broly. Toute la violence. En fait, c'est ouf comment ils ont réussi à retranscrire la violence de Broly. C'est exactement ce qu'on ressent dans quand il part en spéka. C'est genre le mec vénère quoi. Mais vraiment vénère. Donc Goku Genki pouce bleu, il est là. Attends, ils sont que 4. Ou j'ai Big Louche là. Ils sont 5 normalement. Ultime. Oh, me fait chier. J'aurais dû laisser. Ah, j'aurais mieux laissé prendre les bleus. Je vais le one shot là. Attends, le Genki Dama c'est juste après. Hein. Ah, j'ai oublié. J'ai peut-être mal calculé mon coup là. 3 900 000. Ah là, ça commence à me parler, tu vois. Voilà. One shot. Ah mince, j'ai du retard. Ah non, c'est la prochaine. C'est bon, j'ai eu peur. On va laisser lui stacker les choses. Ah, j'aurais pas la jauge d'Okan de prête. Ah, le seum. Ah, le seum, ça se joue à... Ça se joue à rien. Faudrait qu'il survive, mais ça m'étonnerait qu'il survive, là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bim. Mais c'est dommage, mais en plus lui il dit oh là là mais. Oh là là là, le Stremont. Ah c'est con, ça se joue à rien les gars. Ah ça se joue à rien. À un tour près en fait, à un tour près, j'aurais pu avoir le Dokkan mode. C'est fortement dommage. Ah, quoique. Oh. Ah, ça suffit pas. Ça suffit pas, je crois. Ça suffit pas. Ça se joue à... Ah ouais, ça se joue à... Ah non, le seum, j'aurais pu... Ah, ça se joue à rien. Ça s'est joué à rien. Un kill ma couleur. Ah, c'est dommage, j'aurais pu faire sans item. Ah, c'est toujours un petit qui. Ou sinon, il aurait pu me laisser deux attaques. Je l'aurais séché en deux attaques. Salut, Frame. Salut, Michael. Ah, c'est tellement dégoûté, là. Bon, allez, bah, du coup, Broly. Broly, si tu tombes à point.
Ah non, on va laisser lui, on va laisser le l'Ikari se créer les, enfin mettre les stacks. J'avais oublié ce petit détail. Les stacks, c'est la vie. Depuis tout à l'heure, je crois qu'il a du mal à. Il a pas eu le temps de stacker quoi que ce soit là. Alors ne le one shot pas, s'il te plaît. S'il te plaît. $1 700 000. En fait, à chaque fois que j'attaque, j'augmente ma défense. Je vais mettre beaucoup de DS. Et à chaque fois que je prends une patate, j'augmente mon attaque. Donc pour l'instant, j'ai augmenté ma défense. Je vous montre après sa défense. Bim. Donc là, je commence à augmenter mon attaque. Une fois. Une fois. Je crois que c'est à 80%. Broly vénère, 2 millions. J'ai un doublon. Un petit doublon pour arriver à monter à 2 millions, c'est pas mal. Oh, la double attaque. Oui, parce qu'il a de grandes chances. Enfin, il attaque. Là, non, l'attaque est automatique, la deuxième attaque est automatique et il a de grandes chances de lancer une attaque spé. Du coup, là, j'ai 4 millions en valeur d'attaque sur un tour. Donc là, je me fais respecter, les amis. Alors, comme ça me farm exactement, Guigui. J'utilise Side Sync pour le miroir. Ok, je suis encore full life. Mégaté, mégaté. Je bloque deux fois ici. Ouais, non. Tant pis, on va faire ça. Thalès, je crois que Thalès se transforme à partir du moment qu'on a, on est sous la barre de 80%. Aïe. Combien il en a arraché? 73 000. 73 000. Mais entre temps, on récupère 7%. Et bim! J'ai toujours pas activé le stack de Beerus Tech, je crois. 2600 000. Ouais, non, je crois que j'ai pas activé le stack. Enfin, son passif. Voilà, ça, c'est activé. Ah ouais, Thalesu. Il s'est fait soulever, Thalesu. Pas grave. Moi, je vais le soulever. Alors, Ikari. 183 000. Je suis full stack, les gars. Ah ouais, fat délire. Je vais récupérer des PV. Regardez, regardez mes PV. Hop, regardez mes PV. Oh là là, mais c'est n'importe quoi ce jeu. Ah non, mais Ikari, mais il est ouf en fait. C'est pas un soigneur, mais il soigne là. Parce que comme il a beaucoup de défense, quand tu prends les kits de ta couleur, bah ça augmente le soin. Oh, le délire, les gars. C'est pour ça que je dis que le portail de Broly est plus intéressant. Bah à cause d'Ikari, tout simplement. Oh, en plus, Broly double attaque. Regardez, double attaque à 2 millions. Ok, Gogeta est crit, mais Broly double attaque à 2 millions. Voilà. Voilà, c'est lui le boss du game. Pour l'instant, toujours pas d'item de soin. Enfin, on en a pas ramené, mais ça se passe pas trop mal. Attends, il y a que 4 combats. Ah non, il en a 5ème, j'ai pas vu. C'est Vegeta Blue Evolution à la fin. Ok. Je vais faire le Battlefield après, ouais, Moussa. C'est quand on aura les flancs chez Baba pour le virus LR. Faut acheter chez... Oh, ils sont nombreux. Oh non, c'est dommage, j'ai pas virus. J'ai pas Broly. L'aspect ultime sur qui? On va sécher une des couillasses, là. Mine de rien, hein, on s'approche de l'invincibilité. Hein. On n'a pas... Enfin, on a une rotation de soins. Mais ça suffit pour tenir. 3 800 000. Allez, toi tu dégages, tête de couillasse. Bim. $2 600 000 sans le passif, c'est quand même incroyable. One shot sur one shot. En même temps, ils vont tous mourir là. Oh non, tête de couillasse. Tu te venges. 94. Oh là là, je suis. Oh là là. Oh la violence. Oh la violence, tête de couillasse.
Ou bah Broly, hein. À toi l'honneur. À toi l'honneur, le frérot. Mais je suis encore full life, les gars. Bon, le petit carnage. C'est dommage que c'est pas lui qui ait pu attaquer en premier. J'aurais pu clean le board tout de suite, en fait. Voilà. Ben oui, Broly, carnage dès le début. Avec 200 de dette, dropper Goku. Alors en tout cas, je vous le souhaite, hein, de dropper Goku, le nouveau Goku. J'aurais peut-être dû bloquer avec Beerus Tech. Comme ça, j'avais le jeu passif qui est activé. Ah non, j'ai bien fait d'avoir mis les puissances. Mais j'ai bien fait. Bim. 22 000, ridicule. Allez, au revoir. Putain, j'aimerais bien dropper un doublon de ce Beerus LR là. Tra le one shot. Ils ont pas assez de PV, les gars. Pas assez de PV. Cette rotation est plus forte que l'autre rotation. En tout cas, en early. En late, l'autre rotation est plus puissante. Si Broly, double SP. Si Ikari a tous ses stacks. Ikari, il a pas le temps de stacker parce qu'il meurt trop vite. Eh oui, c'est ça le problème, hein, les amis. C'est un problème de quand il meurt trop vite comme ça, là. Bon, là, par contre, si on le sèche pas, Talesu risque de prendre Bagdad. Un petit critique. Bon, évidemment, pas de critique. 16 000 en tapant sur le bon type. Nul! Complètement nul! Espèce de pain d'épices, comme dirait l'autre. Broly et Gogeta arriveront vers mi-février, les amis. Parce que là, entre-temps, on a le portail LR. LR taux de drop doublé. Un petit critique, Brolix? Non. Il est quand même fat barrière, hein. Oh, la triple SP! Ça fait 6 millions! 6 millions en un tour! Ok, c'est lui le boss du game. Oh là, triple SP là. Oh, c'était beau ça. Oh, qu'est-ce que c'était beau. C'est dommage qu'il n'a pas crit une seule fois. C'est qu'un seul doublon. Hein. Oh, le stun est passé! Oh là! Oh là là, qui l'aurait cru? En tout cas, pas moi. C'est dommage, il en manque deux. Mince, il va se soigner. Beerus n'a pas son stack. Là, j'aurais pu monter à 3 millions et quelques. À moins qu'il crit. Ah non, c'est bon, ça suffit, j'ai rien dit. Il n'aura même pas le temps de se changer dans les sous. Il a même pas eu le temps. Il s'est fait gommer. Il s'est fait gommer, les gars. La globale rattrape pas la jappe, ça me paraît mal parti quand même. Bah, ils peuvent pas en fait, techniquement ils peuvent pas. S'ils veulent laisser du temps entre chaque portail, ils peuvent pas. Les deux face à Broly, ok. Non, on va laisser Ikari, hein. Toujours laisser Ikari prendre les stacks. Faut que ça stack, et après... Après on roule. Là, je vais prendre un stack d'attaque, 20%, bim, merci. Le moustachu, on va le sécher tout de suite. T'as un seul stack, et hop, on est déjà à 1 800 000. Bon, après, on est boosté par Beerus. Très bien. Par Golden Freezer, hein, qui donne 30%, attaque et def. Voilà, il joue tout seul. À partir du moment où tu dis Broly Yare, c'est bon, hein. il fait le taf tout seul. Les stats des SG4, ce sera demain, les gars.
Bon, on va voir ce qu'il a, le petit virus dans le bide. Hop là, le passif, merci beaucoup. Et là, 3 600 000. 3 600 000. Allez, au revoir. Ah non, elle a survécu. Virus sans son passif, 1 700 000, première spé. Prochain tour, on fera plus mal. Bon, bon, petit Thalès. Bah, du coup, on n'a pas fait le one turn. C'est dommage. C'est dommage. Bon, bah, du coup, on va laisser Ikari. Pour ses petits stacks. Merci beaucoup, Romuald. Cette team te fait peur. C'est le principe. Ah, cette team, elle est ouf. Hein. On a moins de soins que Cyborg ou le clan le plus vil, mais on a plus de valeur d'attaque par tour. Machine de guerre, cette team. Machine de guerre, les gars. Vous voulez voir leur défense à eux, là? 110 000, 96 000. Machine de guerre, les gars. Machine de guerre. Jiren. Ah, j'ai le Dokkan Mode bientôt. J'ai même pas besoin de Dokkan Mode pour me soigner. Ouh, attention, ne pas sous-estimer Jiren le Gris. Oh, il m'a fait mal, hein. Il m'a fait mal, les amis. Attention, attention. Bon, on récupère, on a récupéré 7% des PV. Peut-être que Dokkan Mode, finalement, il sera pas de trop. Ils ont pas assez de PV. En fait, quand ils crit, on sait que... Enfin, voilà, en gros. T'as toutes les barres de vie de GN, comment c'est parti, ça fait tac, 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 comme ça. C'est allé trop vite, les amis. C'est incroyable. Oh là. Non, il a bloqué Ikari. Oh, l'enflure. Oh, l'enflure. Bon, tant pis. Oh, l'enflure. La petite enflure. Hop là, regardez toutes les, tous les PV qu'on va récupérer. Aïe, 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 Dokkan Mode, aïe. Même si on se mange une grosse patate sur Broly, c'est pas grave, parce que derrière, le Dokkan Mode nous aura soigné. J'aurais laissé Ikari partir en Dokkan Mode. Oh, je l'aurais one shot, quasiment. C'est dommage. Bon, Broly, hein, si tu crit, c'est fini. Si seulement on avait les voix là. Mais c'est dommage, hein, apparemment les voix ça sera qu'au moment de l'active skill. Mais bon, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un autre truc. 26, 9, 56. D'accord. Ok, Jiren. Tu m'as fait très très mal. Vengeance! Bim! Oui, augmente mes stacks. Oui, 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 oui. Bien, 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 bien. Dommage que mon Broly n'a pas crit. C'est dommage. Je suis triste. Non, non, t'as cassé ma, non, t'as cassé ma rotation. Non. Ah non, j'ai le seum. Ah, le seum. Ah, j'ai le seum. Ah, tu m'as foutu la haine. J'ai pas d'item de soin, du coup, je peux pas casser. Oh, j'ai le seum. Le seum. Ah non, il lui reste un trait, vous êtes sérieux là? Bon, du coup, Beerus va me mettre full life. Oh non, les deux Beerus vont être séparés. Non, ça va être relou ça. J'avais oublié qu'il faisait ça, cette enflure de Jiren. Bon, dernier combat, c'est quoi? Vegeta bleu. Vegeta bleu. Ah, j'ai gourmé! Ah non, 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 les deux. Non, je viens de casser ma rotation. Oh, j'avais gourmé. J'aurais pu le one-shot. Oh là là, le seum.
Oh là, le karma, les gars, le karma. Ah, le karma m'a fait un sale tour là. Ah, le karma m'a fait un sale tour là. Ah, c'est vraiment pas sympa. Ah là, j'avoue, c'est vraiment pas sympa. Ah, j'ai vraiment pas de bol. C'est incroyable, les gars. Ah, j'aurais pu le one shot. Faut au moins 3 tours. Non, 4. En comptant le prochain. Oh, fait chier. Est-ce que j'aurai le temps de réunir Beerus et Beerus avant la fin du combat? Wait and see, les amis. Wait and see. Ah là là. Parce qu'après, il sera là. Ah non, mais il sera là. Faut que je le sacrifie. Non, c'est mort. J'aurai pas le temps. Pas le temps, les amis. C'est triste. Triste monde. Triste monde. Monde injuste. Putain, j'avais... Oh, je suis dégoûté. Franchement, Jiren, t'as juste niqué ma game. Là, j'aurais pu le one shot, là. Oh là là. C'est horrible. Bon, là, on a 3 600 000 parce qu'en fait, on a deux fois le 40% de boost d'attaque. Avec les deux Thalès. Bon, j'aurais... Ouais, je le one turn quand même. Ouais, mais c'est quand même plus marrant de one turn avec une seule attaque. Là, j'ai dû faire deux attaques. Du coup, j'ai le seum. Sauf fou, t'es Broly, tu pourras faire une team full Broly. Ouais, avec Paragus et Broly. Non, mais Broly, c'est fort de ouf. Hein. La team boss de film, là. Merci beaucoup, Kurzistan. Il posterait régulièrement un petit commentaire. Son commentaire, c'est un petit commentaire qui fait plaisir. Le mec, il pose toujours le même commentaire, mais ça fait plaisir. Il a raison. Le petit commentaire qui fait plaisir. Oui, on commence à stack. Oui, 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 oui. Alors, le seul truc de cette rotation, c'est qu'elle met du temps à monter en gamme. Enfin, à monter en puissance. Broly, au début, il carnage. Il tape moins fort. Il tapera plus fort quand il se transforme. Mais bon, après 4 tours, ça va. C'est deux apparitions, pardon. Et Ikari, c'est à partir, pareil, au bout de deux apparitions, il commence à arracher la gueule. Non, non, j'aurais pas le temps. Non. Je crois que j'aurais pas le temps d'avoir le lien gourmette. Triste monde. Triste monde. Bon, là, je vais prendre un peu plus cher que d'habitude. Ah non, j'aurais dû... Non, j'aurais dû faire... Non, j'aurais dû faire l'inverse. Petite erreur, là. Je suis déjà full life, ça sert à quoi de me soigner? Petite erreur, les amis. J'ai 10% de chance de crit, on va voir s'il va crit. On va voir, les amis. Eh non, pas de crit. Non, mais les catégories sont trop fortes. En fait, c'est à ce moment que tu vois que les catégories sont trop fortes. Il tape sur le mauvais type, il ne fait même pas 100 de dégâts. J'ai pas de doublon sur le Beerus. Hein. Mais alors lui, il a 100% quand même. Hein. 642 000, le petit Freezer free-to-play. Là, on rigole plus. Là, on ne rigole plus. Ikari, 155 000. Très bien. Très, très bien. Je valide. Je valide totalement, les amis. Je valide totalement. On va récupérer les rouges comme ceci. Voilà. C'est crit, c'est fini. 3 millions. Il est là, l'Ikari. Il est là. Et je crois qu'il est full stack pour l'attaque. Il est là. Il lui reste 2 barres de vie. Ah non. Comme prévu, j'aurais pas le temps de réunir les deux Beerus pour gourmer. Triste monde, triste monde. Ça aurait été plus rapide encore. Ah non. Cette team, les amis. Voilà. Une des teams, jamais parmi les teams invincibles, parce que beaucoup de valeur d'attaque, beaucoup de défense, un peu de soin, un peu de soin, elle a un peu de soin. Pour une team de Saiyan, c'est pas mal. Hein.
Le soin ne vient pas des Saiyans, mais vient plutôt des deux Beerus. Comme j'ai dit, on a 10% avec Gourmet, plus 7% avec la première spé de Beerus LR, ou 12% avec la deuxième spé. Donc au maximum, enfin entre 17% pour la première spé, ou 22% avec la spé ultime. Toutes les deux rotations, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Un cinquième de nos PV à chaque fois. Et voilà, 35 DS, ça fait plaisir les amis. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette team. Cette team, elle défonce tout, voilà. Comme vous avez pu le voir, je joue mixé avec Thalès et Broly. Je perds, certes, 20% de boost d'attaque, mais derrière, je préfère avoir 3 supports pour que Beerus LR parte facilement en SP, et pour qu'on ait à chaque fois un support qui booste l'attaque et la défense. Enfin, surtout l'attaque plutôt, des différentes unités qui attaquent. Donc voilà, sur ce, passez une très très bonne journée. N'oublie pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, l'abonnement sur YouTube. Voilà, 194 000, 127 abonnés. Et puis, vous pouvez soutenir la chaîne également en regardant une petite pub YouTube. Le lien se trouve dans la description. Passez une très très bonne journée. A tout à l'heure pour d'autres VOD. Ciao.